parle bien plus qu'un discours. Voici un exemple concret sous Flight Simulator 2020. Motion compensation off. Sans la compensation de mouvement, le casque croit que je bouge et me fait donc sortir du simulateur. Alors que dans le référentiel du cockpit, je ne bouge pas. Bien entendu, plus les mouvements du cockpit sont importants, plus la compensation de mouvement est nécessaire. Sur des simulateurs avec des vérins de 100 mm, elle n'est pas du tout indispensable. Ici, les angles dépassent 30 degrés et les courses 620 mm. Il est donc nécessaire d'avoir une compensation de mouvement, comme sur la vidéo actuellement. Vous voyez que ma vue maintenant reste parfaitement au milieu du cockpit. Voici le menu du jour. Prenez un bon café et asseyez-vous. C'est parti! Cette vidéo sera aussi disponible en anglais et en allemand. Maintenant que nous avons vu l'utilité de la compensation de mouvement, je vais essayer de vous expliquer, sans rentrer dans les détails, les grands principes. Bien entendu, cela concerne que les personnes qui jouent en réalité virtuelle. Lorsque vous jouez, les données sont envoyées à un logiciel comme FlyPT Mover via la télémétrie du jeu. Ce logiciel transforme ensuite les données du jeu en mouvement des vérins selon les profils que vous avez configurés. Il les envoie ensuite via USB au contrôleur, ici Motion for Sim 32 bits, qui les envoie à son tour au vérin du simulateur, ici le magnifique SixDoF Motion XP. En parallèle, le jeu envoie bien sûr les données au casque de réalité virtuelle qui les affiche pour l'utilisateur. Comme vous l'avez sûrement compris dans la vidéo précédente, le problème vient du fait que le casque croit que l'utilisateur bouge à cause des mouvements du simulateur. C'est là qu'intervient le logiciel de compensation de mouvement. Il va récupérer les données de Mover via un tracker virtuel et envoyer le reposé à l'environnement du casque. La somme des deux étant maintenant nulle, l'utilisateur reste fixe dans son cockpit. Une autre possibilité utilisée par beaucoup d'utilisateurs est de laisser un contrôleur monté sur la plateforme et visible du casque. La compensation de mouvement se fera ainsi par rapport au contrôleur qui ne bouge pas par rapport au casque puisqu'il est aussi sur le cockpit. Ce montage paraît bien plus simple, mais malheureusement, la plateforme vibre et le contrôleur vibre aussi. Il y a donc tout un réglage à trouver pour que la vue ne vibre pas de la même façon. Il y a d'autres logiciels que FlyPT Mover. Il y a aussi d'autres façons de faire, mais nous parlerons dans cette vidéo du tracker virtuel, de FlyPT Mover et d'OpenXR Motion Compensation. J'espère que les explications ont été assez claires. Le sujet n'est pas simple du tout, n'hésitez pas à chercher sur Internet si besoin. Vous savez probablement qu'il existe au moins deux environnements de réalité virtuelle aujourd'hui, OpenXR et OpenVR. Dans notre cas, nous allons traiter d'un logiciel qui ne fonctionne que sur OpenXR. Il existe un autre logiciel qui s'appelle OpenVR Motion Compensation, dont nous ne parlerons pas dans cette vidéo. La première chose à faire est donc d'installer le logiciel. Je vous invite à aller sur le site en lien dans la description. Ou cherchez OpenXR Motion Compensation sur Google. Vous trouverez sur la première page le lien vers le Discord ou le mail si vous avez besoin de contacter le développeur qui est très sympathique et très disponible. Un énorme merci pour tout le travail qu'il a effectué. Je vous invite vraiment à faire un don à la hauteur de ce que vous pouvez mettre, mais sans ce développeur, nous ne pourrions clairement pas utiliser nos simulateurs. Je vous laisse parcourir la page principale si vous le souhaitez. Nous allons regarder comment installer le logiciel. Il nous suffit de prendre la dernière version disponible sur le site. Dans le cas de la vidéo, c'est la 0.2.7. Rien de particulier pour l'installation. Le logiciel est très bien fait. Dans mon cas, il y avait juste un logiciel qui était lancé qu'il faut que je ferme pour ne pas créer de conflit. Je reparle de ce logiciel juste après. Retournons sur la première page du site d'OpenXR Motion Compensation. Il est mentionné un autre logiciel qui s'appelle OpenXR Explorer et qui vous sera très pratique quand vous serez dans l'environnement OpenXR. Je vous laisse l'installer, encore une fois, rien de particulier. Une fois lancé, le logiciel propose plein d'informations. J'avoue n'utiliser que la partie entourée en rouge qui nous montre quelles sont les couches OpenXR actives.
Dans mon cas, vous voyez qu'il y en a 3, OpenXR Motion Compensation et deux autres applications, NexFR et le rendu fovéal pour le Varjo. Même si cela n'a pas de lien direct avec OpenXR Motion Compensation, je vous propose de vous indiquer comment activer ou désactiver des couches OpenXR. C'est très pratique, notamment en cas de problème. Tapez RegEdit dans votre menu de démarrer pour afficher l'éditeur de registre. Allez ensuite à l'adresse indiquée tout en haut. Dans mon cas, il y a 4 couches installées, notamment OpenXR Toolkit, qui est une super application aussi, et que j'avais désactivée, c'est pour ça qu'elle n'apparaissait pas dans OpenXR Explorer. Pour les activer ou désactiver, rien de plus simple, il suffit de changer la clé registre. Quand elle est à 1, la couche est désactivée, quand elle est à 0, la couche est activée. Je vais tout désactiver et laisser uniquement Motion Compensation activé. Une seconde façon de faire consiste à lancer Steam puis Steam VR et aller dans les paramètres OpenXR. Vous pouvez voir que l'environnement OpenXR actuel est le Varjo. Vous pouvez changer pour Steam VR si besoin. Et enfin, ce bouton affiche les couches OpenXR actives ou désactivées. Vous pouvez ainsi constater que dans OpenXR Explorer, il n'y a maintenant plus que l'application de compensation de mouvement. Après ce petit détour, rentrons dans le vif du sujet avec la configuration d'OpenXR Motion Compensation. Je vous invite à aller dans le dossier surligné en rouge. Vous y trouverez le fichier de config, le .ini, le fichier de log et le guide utilisateur. Dans mon cas, il y a un deuxième .ini puisque j'ai sauvegardé ma config avant de vous faire le tutoriel. Je recommande vivement de faire une sauvegarde du fichier initial avant de le modifier. Ce sera beaucoup plus pratique en cas de difficulté après. Comme le reste de l'application, le fichier ini est très bien fait et très détaillé avec toutes les informations. Je ne reviendrai pas sur les premières lignes que nous n'allons pas toucher. La première option intéressante est celle-ci, qui nous permet d'activer par défaut la compensation de mouvement au lancement du jeu. Je vous invite à le faire, c'est plus simple à l'usage. Il faut ensuite changer le type de tracker. Dans notre cas, nous allons utiliser FlyPT. Il faut ensuite indiquer la position entre votre casque et le centre de rotation du simulateur, en centimètres. Dans mon cas et pour mon simulateur, c'est 23 vers l'avant et 68 vers le bas. Pour ceux qui ont le même simulateur que moi, la valeur devrait changer assez peu. Il faudra ajuster en fonction de votre taille, mais c'est un bon départ. Pour ceux qui ont un simu différent, ces dimensions seront bien sûr à adapter à votre morphologie et à votre simulateur. Le centre de rotation s'affichera ainsi dans votre cockpit virtuel. Le paramètre suivant permet d'activer la position absolue du centre de rotation dans votre environnement virtuel. Je vous déconseille vraiment d'utiliser cette fonction lorsque vous débutez l'utilisation de ce logiciel. De la même façon, je vous propose de ne pas toucher aux paramètres suivants qui ont un impact sur la filtration de mouvement. Enfin, tout en bas du fichier se trouvent les raccourcis clavier pour l'utilisation du logiciel. Vous trouverez ainsi par exemple l'activation, contrôle insert, le centre, CTRL-DEL, l'activation de l'overlay CTRL-D, et ensuite plusieurs raccourcis qui vous permettront d'affiner la position du centre de rotation dans l'espace. Dans un premier temps, ce n'est pas forcément nécessaire. Et enfin, les raccourcis pour sauvegarder ou recharger la config, qui peuvent être bien pratiques aussi. N'oubliez pas d'enregistrer le fichier. En lien dans la description, vous trouverez un fichier Stream Deck avec les principaux raccourcis.
Il nous faut maintenant lancer le tracker virtuel dans FlyPT Mover. Dans votre profil, vous devez avoir la sortie compensation de mouvement pour OpenVRMC. Elle marche aussi pour OpenXRMC. Si vous ne l'avez pas, bouton droit, Add, Output, OpenVRMC. Pour que le tracker soit actif, il faut que le petit carré en haut à gauche soit rouge. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la sortie, ouvrez la fenêtre et refermez-la, ça l'activera. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si vous êtes content du tutoriel. Dans la fenêtre, vous pouvez voir les filtres pour chaque degré de rotation. Personnellement, j'ai mis un filtre passe-bas de 150 qui marche très bien dans mon cas. Il faut enfin s'assurer que le simulateur soit bien sélectionné. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à le sélectionner dans la liste. Tout est maintenant configuré, nous allons pouvoir tester en jeu. J'utilise personnellement DCS, mais vous pouvez utiliser le jeu qui vous plaît tant qu'il est sous OpenXR. En lançant DCS, nous entendons bien le décompte d'OpenXR Motion Compensation. Cela montre que la couche est bien activée. Pensez à bien regarder devant vous avant la fin du compte à rebours pour le centrage du centre de rotation. En appuyant sur CTRL-D, vous pouvez afficher ou non la croix du centre de rotation. Nous ne la voyons pas à l'écran car elle est affichée au niveau d'une couche supérieure de celle de DCS. Par contre, je la vois bien entre mes jambes dans le casque de réalité virtuelle. Cette croix qui représente le centre de rotation se trouve entre mes jambes car nous l'avons configurée ainsi, 23 cm vers l'avant, 68 cm vers le bas. Nous allons maintenant tester la compensation de mouvement. Pour ce faire, je n'active pas le simulateur, la plateforme ne bouge pas, et je fais bouger dans Mover les sliders. Si tout se passe bien, la vue doit aller à l'inverse du mouvement du simulateur. Par exemple, si je penche vers l'avant, la vue va en arrière pour compenser le mouvement du simulateur. Vous pouvez ainsi tester tous les angles et les degrés de liberté pour voir si cela fonctionne. Pour le vertical, je triche un peu. Afin que les mouvements soient amplifiés, il faudra bien penser à ne pas sauvegarder ou remettre la valeur initiale. On voit bien que lorsque la plateforme monte, la vue descend et inversement. Vous pouvez maintenant faire un vrai essai avec la plateforme activée et la compensation de mouvement. Motion compensation activated. C'est bien mieux ainsi. Allons maintenant voir les principaux problèmes que vous pouvez rencontrer. Lorsque vous lancez le jeu, le logiciel de compensation de mouvement vous dit Error. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Error. Il vous suffit juste de lancer le tracker virtuel dans Mover. Vous n'avez qu'à ouvrir la fenêtre, il passe en rouge et c'est OK. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Motion compensation activated. Pour un contrôleur motion for sim comme moi, la molette de l'affichage déporté permet de gérer la proportionnalité du mouvement. Si le contrôleur n'est pas à 100%, les mouvements ne seront donc pas identiques à ceux que Mover enverra à la compensation de mouvement. Ainsi, il y aura un écart entre les deux et la compensation de mouvement ne sera pas bonne. Un problème fréquent est aussi que vous ne regardez pas en face de vous lorsque vous centrez le casque ou lorsque la compensation de mouvement s'active au lancement du jeu. Tracker calibrated. Comme la position du centre de rotation est relative à la position du casque, il est très important que vous regardiez en face de vous lorsque vous centrez Tracker le casque. Calibrated. Tracker calibrated. Lorsque vous effectuez le centrage ou qu'il se réalise automatiquement, la plateforme doit être en position neutre.
Vous comprenez bien que si vous êtes comme sur la photo du milieu ou celle de droite, la position de centre de rotation ne sera pas la bonne. Le positionnement du centre de rotation est très important comme vous l'avez compris. Pour que tout fonctionne parfaitement, il faut que les centres de rotation physiques et virtuels soient placés exactement au même endroit. Pour affiner le réglage, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite sur ce sujet et que je mettrai en lien dans la description. Lorsque vous lancez un jeu, s'il ne se passe rien et que vous n'avez aucun son de la part d'OpenXR Motion Compensation, vérifiez tout d'abord que le jeu que vous lancez utilise bien l'environnement OpenXR et non OpenVR. Grâce à Open Composite, une bonne partie des jeux OpenVR peuvent être passés en OpenXR, il y a quelques manipulations à faire. Si le jeu est bien en OpenXR, allez voir dans OpenXR Explorer comme montré précédemment si la couche OpenXR Motion Compensation est active. Si c'est aussi le cas, je vous invite à revenir au fichier INI initial dans le répertoire d'OpenXR. Et enfin, si ça ne marche toujours pas, il faut désinstaller et réinstaller l'application. Si ça ne marche toujours pas, allez sur le Discord de BuzzTibir pour lui poser la question. Avant d'avoir un Varjo, j'ai eu beaucoup de casques comme le G2, le Pico 4, le Quest 2. Tous ces casques n'utilisent pas de station externe pour traquer la position de l'utilisateur. Lors de mouvements rapides, par exemple, j'ai eu souvent des problèmes de positionnement que j'imputais à OpenXR Motion Compensation, mais pas du tout, ils venaient uniquement du tracking du casque. La solution qui a bien marché pour moi est d'installer des QR codes sur les murs afin que le casque ait des références avec des contrastes élevés. Vous pouvez le voir sur beaucoup de mes vidéos. J'ai aussi augmenté la luminosité de la pièce. J'espère que cette vidéo a été assez claire et vous a appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne et passer sur le Discord.